Eh bien, bonjour à tous, les amis. Bienvenue, Fabio. Ravi de vous retrouver. Alors, directement, avant de commencer la vidéo, je suis dégoûté pour vous car je n'ai plus les rushs. J'avais filmé tout un colis que j'ai reçu, là, le colis avec le fascicule numéro, je crois, de 81 à 86. J'avais filmé et j'ai tout envoyé dans ma corbeille sur le téléphone. Je suis vraiment, mais vraiment navré pour vous. Mais bon, vous allez voir en même temps, vous n'avez pas loupé grand-chose. Mais je suis dégoûté. Alors, j'ai pas envie de tout recommencer. Aujourd'hui, ça sera sous forme de petit build-up sur cette 4L que nous propose Altaïa. Alors, dans le colis que j'ai reçu, il y avait beaucoup de pièces pour la porte ici arrière, arrière droite. Voilà. Donc, on avait à peu près 4 fascicules. Voilà, 4 fascicules pour cette portière. Bon. J'ai envie de vous dire, vous avez déjà vu celle-ci, vous avez déjà vu celle de l'autre côté, celle-là à l'arrière. Donc c'est du répétitas, hein, vous n'avez rien, vraiment rien perdu. Donc j'ai assemblé cette portière, je l'ai fixée, comme pour les autres, hein, avec un système de, ici de charnière, avec de petites vis. Voilà, tout s'est bien assemblé, il n'y a aucun souci, toc, tout ferme bien, c'est nickel. Donc voilà, alors on peut dire que la carreau est pratiquement terminée, il nous manquera les ailes ici. Les feux, et puis bah, je pense aussi les ailes à l'avant. On doit nous livrer dans les, enfin je sais pas quand, enfin, dans les prochains fascicules, parce qu'il ne doit pas rester beaucoup, nos 86e, ça doit aller jusqu'à 100, je pense, ou peut-être 110, je ne sais pas, je ne me suis jamais penché sur le sujet. Il restait deux fascicules où on a fixé le toit. Cette pièce-ci, on l'avait reçue dans un précédent fascicule, on l'avait mise de côté. Alors, ce qui serait bien, mais qui va pas être facile, quoique si ça va être facile, regardez, je vais enlever. Alors, je vous remonte un petit peu, toc, voilà déjà ce qu'il y a eu d'assemblé hein, depuis le début de cette aventure, le moteur, le châssis, l'habitacle, le tableau de bord, ils sont volants. Voilà. Et dans les deux derniers fascicules du colis que j'ai reçu, on nous a livré, attendez, je me dépatouille, voilà, on nous a livré le ciel de toit. Voilà, cette grande pièce là, c'est en beige, peinture mate. Seul bémol, c'est les petites vis ici là qu'on voit vraiment bien, qui sont noires. Alors pour les plus courageux d'entre vous, un petit coup de peinture avec essayez de trouver le même code couleur, un truc qui se rapproche de la couleur du ciel de toit, puis voilà, vous mettez une petite touche de peinture sur les vis pour que ça se voit un petit peu moins. On avait également cette pièce ici là qui vient terminer le ciel de toit, une petite baguette de la même couleur, plus le premier pare-soleil, voilà, qui est bien sûr, comment j'ai envie de dire, qui est amovible. Voilà, vous voyez, on peut le tourner, voilà, toc, toc. Donc ça c'est le premier pare-soleil, bien sûr, on recevra le second dans le prochain colis. Alors vous voyez, hein, dans ce colis, alors je ne peux pas vous le dire exactement lequel colis c'était, il y avait 6 fascicules. Voilà, comme je vous le dis, 4 fascicules pour le montage d'une portière et 2 fascicules pour le ciel de toit et la baguette et le pare-soleil. Voilà. Alors encore une fois, je suis vraiment désolé, hein, j'étais sur l'ordi tout à l'heure en train de chercher mes rushs et ce matin j'ai fait du nettoyage dans les... dans les vidéos, dans les photos du téléphone portable, et ça a dû passer à la trappe direct dans la corbeille. Et puis moi, la corbeille en général, je la vide directement parce que ça prend de l'espace sur la mémoire du téléphone, quoi. Donc voilà, bah, j'étais obligé de vous faire un petit build-up. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Merci à tous, les amis. On se retrouve très vite pour la suite de cette magnifique 4L parce qu'elle est vraiment magnifique. J'essaye de retourner le body. Alors attendez, je me prends avec mon genou. Oh là là, quel bazar! Parce qu'elle est vraiment magnifique cette 4L. Hein. Les lignes sont vraiment bien reproduites. Ça va vraiment faire une grosse, grosse, grosse maquette. Vous voyez, franchement, c'est une réussite hein, cette 4L de chez Altaïa. Voilà. Donc à plus dans le bus, j'ai envie de vous dire, pour la suite de cette 4L. Merci de votre visite. Un grand tchuss comme d'habitude et surtout, maquettez bien de votre côté. Allez, tchuss et à bientôt.